Le chef des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Efomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami DRC, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Sake, en territoire de Masisi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale.